dans les pads. Par contre, je vous le dis, on va se faire chier. Hein. La première heure, on va vraiment se faire chier. Hein. Tant qu'on cherche le thème. C'est pas mal en vrai pour poser une ambiance. C'est un peu trop mystique. Ouais, c'est trop mystique. Je pourrais pas faire de trucs avec ça en vrai. Ouais, ça dépend. Des fois, je commence par la batterie. Ça dépend vraiment. Des sons trop riches, faut vraiment un truc simple. Tu vois, un truc plus comme ça, mais même il est un peu trop abeille. Il est un peu trop abeille, mais c'est pas mal, on s'y approche. C'est stylé quand c'est mystique, ouais, mais faut pas que ça soit trop mystique. Faut quand même garder une touche. Moi, je veux un truc rêveur là, tu vois. Je veux un truc rêveur. Tu fermes les yeux et ça te fait oublier tous tes problèmes. C'est le thème. Ah bah, Thalas Voudra, qu'est-ce que tu nous as envoyé? Attention, hein, si c'est du cul, je safeise. Mais ça va pas marcher. Ah ouais, ça marche pas. C'est vrai, je suis sur le logiciel. Mais c'est quoi comme style que t'as envoyé, Zoudrak? Rêveur avec des elfes, bah pourquoi pas. Toi t'aimes bien les elfes. Hein. Merde. On écoutera après Zoudrak. Ça c'est trop... Messire. Ça c'est trop smooth. Trop mystique encore. Trop sophistiqué. Ça c'est pas mal, il faut que j'enlève un des sons. Il faut juste que je garde l'espèce de sonar là. C'est le seul son que j'aime bien. Ça peut être pas mal. J'aime bien un truc comme ça. Par contre, il y a trop de reverb, il y a trop de... Faut enlever de la release. On va partir sur ça, mais là par contre j'ai trop enlevé de release. Faut vraiment que ça... C'est pas mal. On va se mettre un vieux métronome, on va pas se prendre la tête. Voilà, on va partir sur ça. Mais ça, c'est vraiment une base. Hein. On va peut-être même pas la garder. Mais c'est vraiment pour composer autour. Voir ce qu'on peut faire. Il est un peu trop sous-marin. On va essayer de le taffer un peu le son. T'as pas déjà fait ça dans une mic avec ta meuf? Ouais, c'est possible, mais on va le changer le son. Ouais, un truc dans ce genre, mais plus. Ouais, on va le taffer le son. Je pense qu'il nous propose. Ah oui. J'aurais bien une grosse basse, tu vois. Tu fais un truc comme ça. Je vais voir si on rajoute déjà un chorus. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, c'est pas grave. Pas un chorus comme ça, il m'en faut un vrai. Ça fait un peu salon tilt, tu sais. Donc là, il nous faut un pad qui fait vraiment une basse. Pas assez agressif. Ça va. On va commencer par un truc simple, de toute façon.
Bon allez, moi j'y go, bonne compo à toi, je te laisse gérer le chat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un arpège sur l'arpège d'en haut là. Mais plus grave. Donc je suis où là? Un truc comme ça, tu vois. On va le dupliquer, comme ça sera plus simple à enregistrer. On va vraiment faire un truc simple, hein. Vous prenez pas la tête. Mais c'est la base, hein. On cassera la boucle après. Oula. Non. Truc qui ouvre, tu vois, là on a vraiment fait une mélodie de base, là il faut un son qui ouvre vraiment les portes, quoi, qui respire un peu très aigu. Pourquoi pas un piano, mais Underwater de Lunca. Un piano. Toi, tu veux un piano malsain. Toi, tu veux un truc malsain. C'est pas mal ce son, en vrai. On peut vraiment faire un truc. Il est un peu mystique en vrai. Mais je pense qu'avec ce son on pourra pas. Peut-être au début, fais voir. Non. Je crois pas. Mais en vrai, celui-là, c'est chiant, je peux pas mettre en favori sur Nexus. Ouais, des accords chelous en fond avec des arpèges sur le premier instrument que t'as choisi sous l'eau. On va voir, on va voir. Faut pas faire un truc trop sophistiqué pour commencer. On va voir ça avec le max de reverb. Pourquoi il se coupe, ce con? Il veut pas. Commence pas à touiller avec tes instruments pas naturels, mais justement. Justement, va touiller, c'est le but. Mais les synthés, on pourra pas mettre un synthé, je pense. Ouais, tu vois. On va aller dans la catégorie vraiment chelou. Tu veux une catégorie chelou? Regarde. On voit ça. Les accords malsains que c'est instruit. Le titre est tombé à l'eau, enfin sous l'eau. Je vous ai dit la première heure, on va partir en couille. On va vraiment partir en couille. Que l'eau est tombée dans le titre. C'est trop mystique.
Cette note là, tu vois, elle va rajouter un petit. Du coup, on va décaler ça, on part sur complètement autre chose. Mais ouais, faut que je le fasse sur un métronome, sinon on pourra pas. Sur le métronome, ça va être chaud. Je sais pas si je la fais en plaqué en fait. Je peux la faire en plaqué comme ça, ou sinon je fais un arpège, tu vois, j'hésite. Après. Mais tu les emmerdes avec ton métronome de tapette. Mais c'est chaud sans métronome, t'es marrant toi. Le premier son, t'es obligé de le faire avec un métronome. Fais les deux, non. Un en arpège et l'autre qui appuie les notes. Ouais, je peux faire ça en vrai. Avec un autre son alors. Ça va être très dur hein, avec le métronome. Fais voir peut-être 80. Bon, on lance à 80. On pourra l'accélérer après au pire. Travailler. On a la mélodie de base. Je sais pas si ça va bien se caler là. Non, tu vois, ça se cale mal. Bon, c'est pas grave, on va le faire à la main. Au moins, on a les notes. Qu'est-ce que ça m'énerve quand ça fait ça? Ça sert à quoi d'avoir un clavier MIDI si t'es obligé de tout replacer? Toucher naturel, c'est ce que je voulais. On a la vélocité. C'est pas grave que je repasse les notes en vrai. Comme ça, on va pouvoir varier. Alba Tavia. Mais ouais, je vais mettre. T'inquiète, je vais mettre sur internet. Promis. Donc c'est 4 temps. Ok. 4. 4. 4. 4. 4. 4. C'est marrant parce que ça va être un arpège décalé, du coup ça va donner un petit style. 4.
Mais là pour l'instant c'est très simple. Hein. On va vraiment le. On va vraiment le. Ouais je sais lui. Mais normalement quand je fais Q, tu vois quand je fais ça, ça les remet dans les temps. Mais là ça veut pas. Tant pis. Je sais que t'es pas obligé d'être. C'est impossible d'être dans les temps. Ici on va faire une variante, hein, c'est sûr. Je place mes notes, on va faire des variantes après. Et on a un arpège sympa. Ça fait un peu à King Crimson en vrai. J'ai peut-être été influencé. Sans le savoir. Ça arrive souvent. On va faire vraiment un arpège classique à la fin. Parce que tout le monde... En fait, des fois, en musique... En musique... Par exemple, vous allez écouter une musique. Il y a un premier temps, deuxième temps, troisième temps. Et sur le quatrième temps, votre cerveau, il va s'attendre. Automatiquement, il va se dire « Ah, je sais que j'ai envie que ça se finisse comme ça, la boucle. » Tu vois, Lélé, ou pas? Du coup, faut jouer avec ça. Alors soit tu fais comme David Bowie, tu fais de la surprise, tu étonnes ton cerveau, ah je m'attendais pas que ça finisse comme ça la boucle. Ou soit tu fais ce que les gens aimeraient entendre. Là je pense qu'on va faire ce que les gens aimeraient entendre, on fera de la surprise après en vrai. Avec l'arpège, je pense pas qu'il faut faire de la surprise. Donc là on va faire ce que les gens entendent. Si je fais ça, on va peut-être le faire avant. Ça peut être pas mal. Ou alors, peut-être ça. Ouais, on va doubler. Je ne sais pas comment laisser la appuyer. Non, c'était mieux avant. Alors si je fais tonana comme ça, peut-être une petite accélération. Faire juste cette note là, on va boucler ça, on va voir ce qu'on peut rajouter en même temps. Soit on va rajouter des aigus, je pense déjà. Je vais baisser un peu le son par contre. Je pense qu'on va chercher un autre son. Ouais. Donc on va l'appeler Dido. J'allais mettre dinosaure, mais j'ai mis Dido, je sais pas pourquoi. Des fois, mon cerveau, tu sais, les titres de mes morceaux veulent rien dire. Il faut vraiment un son. Ça, c'est pas mal. Trop de délai, par contre. On mettra du va à la après. De vieille à roue, comment ça, de vieille à roue? Qu'est-ce que t'appelles vieille roue? Il passerait inaperçu, il faut vraiment un son qui tape. Ça peut être pas mal, ça peut faire un côté japonais.
discret. Je vois pas ce que vous appelez ville. C'est ville, vielle, vielle. Je dois connaître, mais sans savoir ce que c'est ça en fait. Trop pareil. Grand Malheur, je crois que ça a bon son ça. Dans mes souvenirs. Faire un truc accéléré comme ça. Ça va faire trop chargé. Faut vraiment un son. En tout cas, cette catégorie Perpetual Motion là, c'est tellement de tuerie. Ou alors on part direct sur du violon, mais bon, ça va être trop. C'est un arpège, ça rien. Ouais, ouais, faut pas que ça soit trop blindé. C'est pour ça que je cherche un son vraiment lisse. Ça, j'aime bien. Faudrait que je baisse l'arpège le temps que je le fasse. Ça va appuyer le début des boucles. Donc on est là. Je l'ai perdu. On était là. Vraiment accentuer le début des boucles pour l'instant. Du coup, est-ce qu'il va bien se caler? Je pense que c'est en 16. Ouais, je pense que là, ça va bien se caler. Par contre, il y a un son que j'aime pas. C'est celui-là, je crois. C'est celui-là qu'on a laissé. On va vraiment le mettre tout simple comme ça. Salut Vensco. C'est un peu comme un gros corps de violon sans manche. Il y a un manivelle à un bout. Tu fais tourner une roue qui frotte sur les cordes. Ok, je vais aller voir ça après. Il manque une note ici. C'est pas calé. C'est pas calé correctement. C'était osé. Ton solo au début. Le solo au début. On va refaire la même boucle. C'est pas un solo ça, on va faire un solo après. Tu l'as joué au piano? T'inquiète, t'inquiète. On appuie sur cette note, j'aime bien. Celle-là, là, elle donne un petit côté. Je la laisse haute, celle-là.
Après les sons sont pas mixés, hein, tu vas voir qu'on va vachement les appuyer. Et là on n'a pas encore de son ambiant, tu vois. On a juste de l'arpège là. Il faut vraiment un son qui... Tu vois ma note de basse là, on va la faire jouer par un... Juste par un son ambiant, on va pas se prendre la tête. On va la doubler. Hop, on va chercher un son ambiant. Je pense qu'on va aller plutôt taper dans l'omnisphère. Je vais voir là, on va partir de la fin. Vraiment un truc qui pose ambiance. En vrai, sur Nexus, t'as pas vraiment de l'ambiance. Faut que j'aille taper dans l'omnisphère. C'est pas le truc que je veux là. On dirait la musique d'AFF quand t'es dans une ville. Putain, mais à chaque fois que je fais de la musique, on me dit, on dirait. Pourquoi tu remets pas en bas la. Bah, c'est ce que j'avais fait, mais ça fait bizarre. Tu parles de celle-là là. Mais ça fait bizarre, on va voir, j'hésite encore. Tu vois, là-bas, j'avais mis en bas. Hein. Je sais pas encore. Faut juste... En vrai, un bon son ambiant. Ah, peut-être un son qui peut passer, en vrai. C'est trop sophistiqué. On va aller taper dans l'omnisphère. Pas mal ça. Ça c'est trop bien pour le lead. Ouais non mais on va faire, t'inquiète. Je vois à peu près, je commence à construire dans ma tête. Là on est loin de ce que j'ai envie, hein. Mais je l'ai déjà dans la tête ce que j'ai envie de faire. On va aller dans substance. Bon par contre il est loin à charger. Ah je sais, il est là. T'inquiète, on va le taffer. Puis on va peut-être faire une basse en vrai. Je sais pas si on va mettre une basse. Pour ça, je vais fouiller dans substance là. On va chercher de l'omnisphère. Je suis pas sûr du son qu'on a choisi pour le. Tu vois, ce son là. J'aime pas trop. Non, non, je fais pas de truc trap, calme-toi. Je vais voir si je le mets en mixeur délai. Ce son-là, j'aime pas trop en vrai. On va le mettre sur les côtés pour voir.
On va voir s'il n'y en a pas un autre en vrai. Il me plaît pas trop. Il a trop de souffle. C'est mieux ça. Pas trop d'attaque. Je préfère ça. Voilà, c'est trop mal là. Mais en vrai, avec ce son, tu peux faire trop des trucs de ouf. Putain. Alors, est-ce qu'il y a des trucs sound design peut-être là-dedans? Ajouter une note. Voir si ça part comme ça. Oh putain, j'avais les travers. Je pourrais faire cette note là mais pas tout de suite. Au début on va vraiment la boucler comme on boucle là. Omnifère. Moi non plus j'écoute pas du rap. À part américain un peu. Pas que j'avais mis en favori là-dedans. Tu fais de la merde. Ça regarde pas mes favoris, d'accord. Alors est-ce qu'on a une catégorie pad là-dedans? Putain, on va devoir faire les sons à part, les gars. C'est triste. Hein. Du coup, on va chercher un. Ouais, on va faire une mélodie que j'ai fait là. Pour chercher un son. C'est zéro, c'est de la dubstep. C'est ça que je voulais faire. Attends. C'est celle-là qui va pas, je pense.
va foutre un shimmer là-dedans et on va pas se prendre la tête. Le mec il nous tue tous les matins avec ses musiques de GTA. Derrière les violons tracades. Ça va, soit je fais... ou si je... soit je fais ça. Attends. Alors je répète ça, on peut voir si je répète. Et là je fais une petite variante. On va faire ça. PD là avec ton oreille, mais mec t'es trop fort, comment tu fais pour avoir direct les notes? Mais j'ai pas de solfège en plus là. On va le couper ici, ça va alléger un peu. On va plutôt faire comme ça. Cette mélodie avec les violons, on va essayer de chercher vraiment un truc ambiant. On mettra les violons peut-être au refrain ou enfin quand ça partira. On va essayer de chercher vraiment un truc discret parce que c'est pas assez discret hein, en vrai. Le son qui fait tout quoi. Go te mettre au jazz, mec. Tu devrais faire des impros de ouf avec ton oreille si t'as l'habitude d'en écouter. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le jazz ça peut être pas mal en vrai. Backward piano. Ah, il est long à charger. Pour commencer, ça peut être pas mal, hein. Je vais le mettre de côté, hein. Il y a vraiment un passage à faire avec ça. On va voir. Ça, ça fait vraiment ambiant pour le coup. C'est vraiment l'effet que je veux donner au morceau. Donc on y est, on y est. On va chercher encore un autre son. Au moins, la mélodie que j'ai fait là, on peut choisir des sons, tu vois. C'est horreur. Linka, c'est le mec qui a une putain d'oreille mais qui a la flemme d'apprendre à jouer à l'instrument. T'inquiète, le piano, je vais... Enfin, la guitare surtout, j'ai envie d'apprendre. Cette année, c'est mon objectif, c'est d'apprendre la guitare. Ça, c'est des sons que j'aime bien, ça. Faut que je le règle. En vrai, celui-là, je le règle, il est patate, hein.
Alors attends, comment on fait déjà? Je sais même plus m'en servir de omnisphère. Donc il y a un fond. Pourquoi je peux pas y aller? Edit. Ouais, je crois que c'est là. Alors attends, faut que j'apprenne à m'en servir, je m'en souviens plus. Ok, c'est le son. On va enlever le premier, fais voir. Il tape trop rapidement, donc il faut que je le cherche. C'est où le mode? Ça doit être ça. Fais voir si je le mets. Oh, je kiffe l'univers du son. Faut juste que j'arrive à le régler. Bonne. T'étais là, Freeman? T'as fait un peu Stranger Things, ouais, un peu. Il doit apprendre avec Léo, il doit... Ouais, bah oui, mais lui, il veut pas s'y mettre, lui. Bah, bonne nuit, Freeman, je savais pas que t'étais là. Il était là en soum-soum. Je pense. Comment on le règle déjà? Faut que je fasse As Playhead, mais c'est là qu'il faut que je touche. C'est celui-là qui me plaît pas. Pourquoi il fait un délai? Il me plaît pas. Song position peut-être? Tu vois, il fait une note en plus que j'aime pas. J'aimerais bien qu'il slappe direct sur le délai. Je m'étais endormi et l'honnêteté a coupé, j'ai remis l'écran et dit bonne nuit, t'étais sur le... Comment fait ma... Vas-y, bonne nuit Freeman. T'inquiète. Léo m'avait dit qu'il avait dit qu'il aimerait bien jouer à GTA avec toi. Ouais, j'ai pas entendu ça, moi. Ah, c'est le swing, peut-être. Putain, faut que j'arrive à le régler, les gars. Non, y'a trop de swing, justement. Ah, peut-être ça, fais voir. Tu vois, y'a une note. Et si j'enlève le 8? Je peux pas l'enlever? Comment on retire une note? C'est parce que je suis en 1-8, du coup... Non, c'est même pas ça. Comment on retire... J'ai envie d'enlever ça, en fait. Faut fouiller, hein. C'est comme ça la musique. On va trouver. Les gâteaux, faut voir si je mets les gâteaux. Ah, c'est là. Non? Ah si, voilà. Voilà. Par contre, maintenant, pas assez de... Que ça va faire trop avec mon accord, mais on va faire un break avec ça. Si sur son stream en solo, là il avait dit que ça serait... Ah ouais? Bah je lui demanderai alors. Avec mon arpège, ça va faire trop, mais... Quoique... Ça commence à être pas mal. C'est un peu trop chargé, mais on va alléger, on va alléger. On va essayer de faire une basse maintenant.
On va prendre juste un synth pour faire la basse pour l'instant. Basse, synth. On revient là à l'eau. Comment mettre des bruits de baleine sous l'eau, genre bouh, dans le fond. Ouais, mais on veut faire 12 titres d'ambiance, donc si on en a un sous l'eau, c'est pas mal en vrai. Bon, là, bouchez vos oreilles, ça va faire mal aux oreilles. Faut que je mette mon plugin basse sidechain, hop. Après, c'est pas mixé, hein. Faut faire attention que c'est pas mixé, les gars, on est très loin du mixage. Avant un breakdown, il faut faire un gros... Ouais, il faut que ça reste calme. Mais ouais, on va faire des breaks et tout. Là, il n'y a pas de construction. En fait, en musique, je fais une boucle. Là, on crée une boucle et après, on va construire. Tu peux pas construire dès le début. Enfin, il y a des gens qui travaillent comme ça. Hein. Moi, je travaille comme ça. On crée tous les sons et après, on compose la construction. C'est que je peux pas faire vraiment de basse. Commencez pas avec vos breakdowns, on est entre mamie là. Ah merde, il a dit break, pas breakdown. En vrai, la basse, je peux pas faire un truc compliqué pour l'instant. Ouais, je suis pas obligé d'en mettre, mais... Alors, dans ce cas-là, on met juste le... On fait juste ça comme basse, tu vois. On peut juste faire ça pour ajouter, tu vois... Regarde, 100. Et avec. T'ajoutes quand même de la profondeur, tu vois. On va faire ça et on va le mettre très, très faible. Voilà le trou quoi. Non. On va pas se prendre la tête. Ça, je traîne un truc. Histoire d'avoir des low fréquences, tu vois, au moins. Le violon, on l'entend pas assez, en vrai. Hein. C'est pas mal, le violon. Hein. Y'a pas assez d'attaque. Alors, attends, comment on touche l'attaque là-dessus? Edit. Alors, l'attaque. L'attaque est là pourtant. Ah, je pense que c'est ça. Mais on est à 0. On peut pas aller négatif. Moi j'aurais dit une arbre dans le ciel qui s'appuie en sortant les aigus. Ouais, je peux. Hein. Et puis sauvegarde ici. T'inquiète, j'enregistre. C'est ça, si c'est ça que tu veux dire. Une harpe. Je sais pas. Alors vraiment qui boulon. Tu vois, sur les transferts alors. Une harpe. On peut essayer. Hein. Contact. J'ai des harpes sympas. Concert harpe. Tu fais quoi comme style d'intrus? Je fais de tout, Lil Goku. Là, on est sur de l'ambiance. C'est comme ça, genre. Pas au début. Mais vraiment, il faut du Valhalla hein, là-dessus. On réglera après. Non, du Valhalla Shimmer, moi je veux. Du Shimmer. Ouais, on va le baisser le violon. Tu fais Silly Pop, ouais, je fais ça aussi. Voilà.
On va le mettre à fond le temps que je le fasse. On entend même pas. On va le compresser. On va le compresser tant que je le fasse. Ça de la fin, on va voir. La fin est pourrie, mais c'était vraiment pour faire une base. Tu vois, quand il tape pas dans mon midi, ça me casse les couilles. Je sais pas si c'est... Tu vois qu'il faut qu'il tape là, non? Qu'il faut qu'elle tape là. Ça me stresse. On pourrait le doubler, mais chacun ses goûts et couleurs. Mais je fais du hip-hop aussi, hein, Lil Goku. Je fais vraiment de tout. Les écoute pas. Hein. Mais là, on est vraiment sur de l'ambiance. En ce moment, je veux faire un album d'ambiance. Je veux faire 12 titres d'ambiance. Donc, je fais de la trap, je fais tout. Hein. On va faire ça. Oh, dégage. On va faire ça. Alors attends, comment je peux l'avancer? Il a raison, ne nous écoute pas, dis-nous. Moi j'aurais dit, mets-la genre comme si elle était... Ouais, on va la mixer. C'est trop vite musicalement pour moi. Il faut que tu trouves un artiste qui te fasse une image stylée pour ton album ambiance. Ouais, pourquoi pas. On peut faire ça, faut voir. Faut que je continue. Faut pas qu'il y ait de break en fait. On va plutôt la faire comme ça.
Alors, du coup, on fait. Comme ça. Tu vas faire une musique épique genre bataille, bah c'est facile, tu sais très bien que c'est ma spécialité. Ah ouais, d'ailleurs j'ai une musique Pirates des Caraïbes à te faire écouter après. J'ai quelqu'un pour toi qui est très fort Photoshop pour si tu as besoin. Ouais mais gratuit alors. Si tu veux je te dessine des haricots qui dansent au centre d'un coquelicot. Vous êtes cons les gars. En fait, j'aime pas le son qu'elle a dans les aigus. Oui, c'est un pote à moi, bah faut voir. Après, je suis très long encore. Hein. Là, je suis premier titre ambiant. Mais ouais, putain, Louis, fais-moi penser, je te fais écouter la Pirates des Caraïbes que j'ai retrouvé un vieux morceau que j'avais fait il y a un an, un ou deux ans. C'est vraiment Pirates des Caraïbes. Mais ouais, j'aime pas les notes aiguës de cette harpe, donc soit on va redescendre ici. On va pas faire d'arpège ici. Ça va faire trop. Ça va faire beaucoup trop. Du coup. Cette note là. Trop agressif.
Ouais, nickel, le niveau. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, t'inquiète, le mixage, c'est vraiment. Nickel, la dernière note comme ça. Ouais, j'aime bien comment ça redescend. C'est quoi ça déjà? En fait, hein. On va enlever le violon. Hein. On finira avec le violon, tu vois. Faut vraiment qu'on trouve un son d'ambiant. Parce que tu vois, quand j'enlève le son d'ambiant, déjà une mélodie en trop. La harpe, faudra pas la mettre tout de suite. C'est, en fait, c'est soit je mets ça, soit je mets la harpe. Je pourrais pas mettre les deux. Regarde, si je mets les deux ensemble. Tu vois, ça fait beaucoup trop. Ça, faudra vraiment que je le mette à un break. Donc on va l'appeler break. Limite, on va mettre la harpe plutôt en rythmique. Rythmique, on va l'appeler. Rythmique harpe. On va commencer à merde. On va commencer à construire. Parce que là, j'arrive pas à me faire une idée. Celui-là, faut vraiment que je le mixe ce son-là. Si je le ferme. Je tiens juste des bruits de baleine aussi. En vrai, je peux peut-être le fermer comme ça. Hein. Genre, c'est sûr, on va commencer avec ça. Hein. Donc, on va commencer à couper mes pistes. Mais le violon, ouais, on va vraiment le mettre. Limite, on finit comme ça, quoi. Donc, imaginons, on commence avec ça. On va pas commencer par l'arpège. On va faire genre... On va faire comme ça. Savoir, tu vois. Ouais, c'est mieux sur les violons. Ouais, c'est clair, ça... En fait, les violons sont bien, tu vois. Mais ça coupe tout l'esprit mystérieux, quoi. On les mettra à la fin. Si tu appelles Ring Underwater, ce serait aussi des bruits de trucs qui brillent aussi dans les ultra aigus. Mais t'inquiète, là, c'est vraiment... C'est vraiment la base de la base. Du coup, les violons, on va les mettre de côté. Donc la harpe, limite, je pourrais faire ta-da-dum pour la démarrer. Il faut voir si je mets la base dès le début. C'est mieux. Hein. Faut vraiment qu'elle soit discrète. On mettra de la couleur après. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Donc ça, c'est pour le break. Donc on va mettre la harpe. On va pas la mettre tout de suite, on va vraiment... En fait, faut pas oublier que c'est de l'ambiance, donc on va... Faut attendre... Vous, ça va vous paraître long, mais c'est de l'ambiance, donc faut vraiment étaler au maximum. Ça, on va le faire tourner une fois tout seul. Là, ça va vous paraître long, mais le jour où on l'écoutera en ambiance... En vrai, on va pas mettre la basse tout de suite. Oui, mais pas tout de suite, Louis. Moi, tu pourras pas vraiment bosser là-dessus. Hein. Du coup,
va créer un arpège ici. Non, si je le descends. Discret, hein, c'est dommage. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être faire ça au début. Ouais, c'est mieux. Bon, ça va l'appuyer un peu. Alors qu'on puisse jouer à des bœufs dessus, alors de... Ouais. Pff. Si tu veux. Hein. Ouais, je n'ai pas choisi de son d'ambiance en fait. C'est limite, du coup la harpe, on va créer une nouvelle arpège, un nouvel arpège, pour pas que ça boucle. On va faire la même chose. Mais faut faire une petite variante au début. Alors qu'on puisse dormir dessus. Bah là-dessus, tu peux dormir, je pense. Ouais. En tout cas, il y a une ambiance. C'est ce que je voulais. C'est vraiment faire de l'ambiance. Tu vois, ça pose une ambiance. Ça, on peut pas faire ça. Qui pose vraiment. on va voir. Déjà, on va commencer avec ça, je pense. Hein. On avait dit. Ou alors finir avec ça. En vrai, faut que je le travaille. Ce son-là, il peut vraiment faire notre ambiance. Il faut travailler le son, quoi. Parce qu'elle est trop sophistiquée, là. On dirait limite une pendule quoi. Mais on va l'enlever ça, on va que utiliser ça. Et j'aime pas comment il... Alors pour le régler mon pote celui-là... Ah j'aime bien. Oh, t'as vu le son, on dirait limite un son à DMC, un peu Devil May Cry, tu sais.
Il est craqué le son. Si je le monte. Non, faut vraiment qu'il soit cavarneux. Tu peux vraiment faire, tu peux limite tout faire avec ce son en fait. Tu peux faire de la lo-fi, tu peux, on va l'appeler piano reverse. Mais je peux encore le régler, hein, on va encore le taffer. Ces fréquences-là que je dois taper. Il y a juste celle-là qui me gêne. Cette chaîne, ouais, mais là il y a pas de batterie, pas de basse, donc pas trop besoin de cette chaîne en vrai. Alors faut voir si je rajoute avec mon accord, avec mon arpège. Ça tient ma batterie, ma basse, mais elle fait rien, elle fait deux notes. Se baisse après 3 notes. Ouais, ouais, on va jouer avec. Mais ça, c'est de l'automation, on fera ça après. Fais voir s'il y a une basse en vrai. Légère. Pas dans fat. Sub plutôt. Il faut vraiment une basse. Qui fasse pas trop. Ouais, une sub, ouais. Vraiment légère en fait.
Ça peut rajouter du dynamisme, mais ça va pas le faire, je pense. Bon, on a dit pas de batterie, mais j'ai quand même envie de rajouter des petites particules, tu vois. Tu vois, juste des petits trucs comme ça. J'ai pas envie de mettre de la batterie agressive, mais des petites particules, ça peut être pas mal en vrai. Mais vraiment des trucs légers, tu vois. Ouais. Mais vraiment juste des petites particules. Pas de kick, pas de... je vais prendre au pif. Un bruit de fond, ouais. Tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, un truc comme ça, quoi. Mais très léger. Peut-être pas ces sons-là, mais ce rythme-là, en tout cas. Bon, c'était où ? On va le faire à la main. J'ai pas envie de me prendre la tête. Ça passera pas, mais on va changer un autre son. On va choisir un autre son. Ouais, t'es déterminé, toi. Pourquoi tu dis ça? Mais ce son-là me plaît pas trop. Ça peut être pas mal, hein, mais... Piano beaucoup plus simple, comment ça? Ouais, c'est ça. Là, c'est trop robotique, mais on va choisir un son, t'inquiète. Piano plus simple, ouais, mais là je suis pas en état de jouer en rythme en fait. C'est plutôt ça. On va prendre au pif, on va piocher au pif. Oh, ça tape pas dans le rythme, hein. C'est normal, faudrait que je bouge les notes, mais. Ça c'est trop épique. Pas un son avec des basses en fait, faut vraiment que ça soit. Hein? C'est trop électronique. Après, je suis dans du full là, faut que j'aille dans du simple en fait, c'est trop chargé. Organique. Et on va aller chercher dans. Faut voir du lo-fi. Ah bah là c'est épique, je veux pas de l'épique. Industrial. Percussion pour voir. C'est trop compliqué. Ça peut être pas mal en vrai si je le mets en rythme. Merci pour ton follow Megzrab. Si je sub, tu sub parce que j'ai... Je t'ai fait atteindre ton objectif. Sub parce que je t'ai fait atteindre. Mais c'est pas mon objectif. Il est fake, je suis à 35. Moi je peux pas sub, j'ai rien pour sub. Ouais, il faut vraiment un truc discret. Mais je peux le rendre discret après, tu vois, n'importe quel son, je peux le rendre discret.
pas mal ça. On va essayer de le glitcher un peu. Je live en ce moment. Je peux pas de sub. Alors du coup on va boucler ça, on va essayer de le régler. Vraiment le mettre discret quoi. On va voir. Tout à l'heure j'ai parlé avec un pote pour toi de ta Discord. Bon c'est pas pressé hein Lil Goku, on verra ça. C'est vraiment pas pressé hein, j'en suis là. Même plus discret, non. Ouais, il est pas assez discret du tout. Hein. Mais je suis pas encore sûr. En vrai, je sais pas où on va là. Faut que je réécoute. En fait, limite, faudrait que je coupe mon arpège et que je parte avec de la batterie. Ouais, de la harpe. Genre, je fais un truc comme ça. J'aime pas trop le son en vrai. Le rythme est sympa, mais le son il est trop. Faut vraiment que ça fasse boîte à rythme, tu vois. Limite, faut pas le couper. Faudrait limite que j'ajoute des notes de bas volume pour. Voir si je fais ça, un escalier comme ça. Rajouter de la texture un peu. Moi j'aime pas du tout la batterie. Non mais t'inquiète, fais-moi confiance. Il faut toujours tester en fait. Mais avec un break comme ça, ça peut être pas mal. C'est normal que ça fasse bizarre. Il faut vraiment qu'elle soit discrète comme ça. Vas-y, c'est toi l'artiste, hein. Elle est trop agressive. Mais t'inquiète, on va la régler. Fais-moi confiance. Fais un mini cut des arpèges et t'envoies la batterie. Ouais, c'est ça. On va faire une cymbale à l'envers. On va chercher une cymbale, on va la faire à l'envers. Mais je crois que j'en ai déjà, mais on va la créer nous-mêmes. Fais-moi confiance, Louis. Tu sais très bien que je vais pas niquer le morceau comme ça. De toute façon, c'est des tests, c'est de la construction. Faut voir si j'ai un open hat là. Bah, c'est de la trappe, mais. Faut voir si on peut en faire un truc bizarre. Bon, il est trop. Il m'en faut un qui est beaucoup plus long, quoi. Est-ce que j'ai un truc qui a des hi-hats à l'envers, en vrai? Je vais aller voir dans mes, quand même, là-dedans. Dans rock, je crois que j'ai un truc rock. Drums. Cymbales. Open. Non, naturel. Il coupe trop. Un crash alors à l'envers. Ouais, ça va faire mieux ça. On va rajouter une petite réverb au bout. Du coup on va le couper. Putain, y a pas les temps. 10 millisecondes je crois, c'est ça. Hein. Je crois que c'est les millisecondes ça. Du coup c'est une seconde.
va rajouter une reverb. Shimmer. Shimmer, peut-être que ça va faire trop. Non, ça fait pas mal en vrai. Elle est peut-être un peu trop élevée. Par contre, pour le caler, mon pote, comme on l'a fait ça à la Zub, peut-être là, bon, avec de la chance. Ici, alors. Non. Bon, peut-être ici, alors. Encore un pet. Presque. Je pense que là, il va être bon. Ouais, il est nickel. Bon, faut vraiment un truc qui fasse break ici, quoi. On a notre mélodie en bas, mais je pense qu'elle va faire... Ça va faire trop. Putain, c'est pas mal, hein, mais il manque clairement un truc qui va tout, tu vois, qui va tout appuyer. Mais le break est pas mal, en vrai. On va tout réécouter. Un truc pour le break, quoi. S'il arrive trop puissant, faut que je règle le volume. On va le faire monter tranquille. Du coup, hop, un petit point de crayon. Un deuxième point de crayon. Il y a un truc à faire, il y a un truc à faire, les gars. Faites-moi confiance. Hop. Hop. On va le faire read. Ouais, c'est bon, il read. Enfin, un truc qui percute, mais on voulait. L'idée du morceau, c'était pas un truc sans. Enfin, c'était un truc sans batterie, tu vois. J'ai pas envie de mettre deux kicks. Le challenge, c'est pas deux kicks. C'est chaud, mon frère. Hein. De pas faire de kicks. C'est pour ça, faut que j'appuie avec autre chose. Le violon, il est où? C'est celui-là, le violon, non? Ah, bon, on avait ça aussi. Il est où mon violon qu'on a, on l'a mis de côté? Il est où cet enculé? On l'a supprimé? Il est là. Il fait trop de notes. On va enlever les notes aiguës. On va les mettre sur les côtés. Mais genre, merci Che pour ton follow. C'est mieux sans la batterie. De quoi? Tu veux que j'enlève la batterie là que je viens de faire? Mais genre des petits des étoiles avec la batterie pour lancer le morceau sinon. Ou un triangle. Ouais. Ouais, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Ça, c'est prévu, ça. Du coup, tu vois, la batterie, on va la mettre sur les côtés, je pense. On va la full mettre sur les côtés. On va vraiment pas rien mettre au centre. Au centre, on va mettre autre chose qui va dynamiser la chose. Faut que je la compresse par contre.
elle a trop de release en fait. Faut qu'on réduise la release. La release, c'est le temps qu'elle va durer. Elle sera plus. Je suis tellement frustré, pas de kick. Bah, c'est le challenge. Bien sûr, là, tu mets un kick, ça déboîte. Mais on va essayer, hein. Mais le challenge, c'était pas de kick. On veut vraiment faire de l'ambiance. Moi aussi, je suis frustré, hein, crois-moi. Mais en vrai, si on met vraiment une sorte de kick, pas de kick, mais des médiums, ça peut être pas mal. Mais pas de kick, je veux pas de kick. C'est sûr que là, tu mets un kick, ça claque. Ça va déboîte, tu vois, mais. Mais le challenge, c'est pas de kick, pas de kick. On va voir ce qu'on peut faire. Ils mettent des kicks dans la musique de film. Bah oui, il y a des kicks dans la musique de film, bien sûr. Mais pas des kicks, c'est des médiums. C'est plus des médiums que des kicks, mais il y a des kicks médiums en fait. C'est pas des kicks low, c'est des kicks médiums. Mais tu vois, je veux pas un truc comme ça, je veux vraiment pas un truc agressif. Un truc qui fait vraiment boîte à rythme. Là, celui-là, il est déjà plus original, quoi. Ça, c'est trop glitché. C'est marrant, celui-là. Ça va en hâte. Ouais, c'est de la merde ça. Ça c'est de la texture, j'aime bien. On va déjà rajouter des trucs comme ça. Ça va rajouter vachement de la... Tu vas voir. Ça paraît anodin mais... On va voir si on pisse comme ça. Rapide. Par contre, on va enlever le high. Tu vois, c'est ça le problème, c'est quand tu mets un hi-hat comme ça, on est obligé de le couper, on le remettra après. Sinon, à chaque fois que je vais boucler, ça va nous niquer les oreilles. Donc, on va le faire en solo. Comme ça, on va pas être influencé. Tac. Il est trop rapide le dernier, je crois. Vous pensez que c'est de la merde, hein, mais je vous jure qu'avec le reste, autopan là-dessus. Bah, il y a déjà un autopan. Hein. Si t'écoutes bien, il y a déjà un autopan. Mais je trouve qu'avec la batterie, la musique perd de son aspect naturel. Après, j'ai sûrement des goûts de merde. Non, mais t'as raison. Mais là, vu comment elle part, ce serait du gâchis de pas faire un break avec de la drum, tu vois. Mais t'inquiète, ça sera tellement discret, tu feras même pas attention. Fais confiance à Bibi. Ok, c'est bon. On a une boucle. On va faire une accélération ici. Ah, c'est pas celle que je veux. Il faut voir si on fait un triolet en vrai, ça peut être sympa, ça peut être original. On va oser. Triolet 32 du coup. Je sais pas si ça va le faire, mais on tente. Ça coûte rien de tenter en musique, hein. C'est expérimental. Hein. Il est trop élevé.
Ah, ça peut être pas mal. En vrai, faut que je fasse ça. Du coup, non. Faut que je fasse ça. Ouais, ça peut être pas mal. On va voir si je boucle, si ça marche. C'est pas mal. Ça... Tu vois l'effet que ça donne? Ça fait vraiment un effet... Ça casse le rythme. C'est ça que j'aime bien. Faut voir avec mon autre boucle, du coup. Par contre, j'ai mal... Non, j'ai bien bouclé. Donc on va... Après, faut les doser. Hein. Ça va être le plus dur. Quand tu mets ta 808... Et t'es sûr, ton morceau prend vie. Ouais, c'est ça. Mais là, on n'est pas sur ça. On met pas de la 808 et tout. Mais après, je fais ça, hein, Buisson, comme musique. Hein. Je fais de la trap et tout. Hein. Mais là, on fait vraiment de l'ambiance, en fait. La musique d'ambiance, il n'y a pas de 808, il n'y a pas de grosse basse. Mais pourquoi on dirait qu'elle est décalée, le deuxième cran? D'accord, c'est pas la même ici. On va la boucler comme ça, j'ai l'impression qu'elle est buggée. On va la boucler comme ça. La trappe de merde. Ok, ça commence à être pas mal. Donc maintenant, bon, on va pas chercher un kick, mais on va chercher ouais, un truc qui déménage. Déménage. Putain, le mec... C'est quoi Sao? C'est le film? Faut pas en rajouter trop, hein. Là faut vraiment un kick maintenant. Pas un kick comme on entend, un boom plutôt, voilà. Celui-là est vraiment propre. Hein. Mais trop kick, mais on va essayer quand même. On sait jamais. On va pas faire le rythme de base. Je pourrais faire ça, mais c'est trop commun. C'est trop commun. Faut vraiment faire un kick long... faire ça pour l'instant, juste pour voir si ça colle le kick. On va rajouter de la texture après peut-être. Mais je l'aime pas trop au final ce kick. Je pense pas que ça va le faire. Non, tu vois, il colle pas. Il colle pas à l'idée du morceau. Il faut vraiment un truc... Tu vois, un truc sous-marin limite, tu vois. Un kick dans l'eau. Mmh. J'aime bien l'aspect de celui-là, mais il est trop sophistiqué. On est parti sur les mêmes, là. Trop agressif, trop épique, ouais. Mais un triangle. Le jeu est cool, hein. Tu voulais un triangle, il y a un petit hat dessus en même temps. On va faire un truc speed, hein.
soit vraiment discret. On va le baisser de ouf. Limite sur les côtés, on va le mettre quoi. J'aime pas trop. En fait, faut que j'appuie sur ça. Ah, tu peux pas l'allonger, c'est pourri ça. Et si je fais ça, genre. Ouais, c'est un truc. C'est pas mal. Ça va peut-être être un peu redondant. Ça rajoute un côté industriel. Oh, mais oublie pas que c'est un break. On n'aura pas ça après. C'est vraiment pour appuyer sur le break. C'est qu'on l'entende pas, mais qui est quand même un kick. Du coup, on va juste chercher un snare pareil, damage très léger. Ça va vraiment faire. Là, il y a peu de mixage, hein. C'est pour ça que c'est brouillon. Quand il y aura le mixage, ça va rendre super bien. Je l'ai déjà en tête. C'est pour ça, là, vous avez vraiment pas une idée de ce que ça va se donner, mais. Il faut un snare très long. En vrai, c'est pas mal, ça aussi, je peux faire un truc avec. N'oublie pas que c'est le break, quoi. Je vais pas faire tout le morceau avec ça. Hein. Et après, on va rajouter une mélodie au break. Vraiment un snare sec. Faire dans la pop au pif, c'est toi le break. Have a break, have a Kit Kat. Ok, on va faire ça. On va le compresser. Hein. Il n'est pas accordé déjà. Je pense que
pense que c'est 2,50. C'est pas mal, hein. Le mixage est pourri, par contre. Le morceau est très très fermé, hein. On peut vraiment lui rendre de l'air, mais bon, c'est l'idée un peu du morceau, hein. Mais regardez, si je fais ça par exemple, après, on va perdre l'effet rêve, hein, mais ça par contre, là c'est dégueulasse. On va garder. Garder l'effet. Ici, hein, ça va péter, hein, si j'enlève les violons en vrai. Et on va mettre le break après. T'es là, c'est track depuis tout à l'heure. On va les baisser les percus, hein, t'inquiète. C'est vraiment pour avoir une idée du morceau, et après on baissera tout. Les niveaux et tout. On va mettre ça plus fort à ce moment-là. Les pianos à l'envers là. À l'envers, et là on ouvre vraiment les portes avec, on ouvre les vannes avec le violon, tu vois. Et on va rajouter plein de violons ici. En vrai, on peut faire ça. Merde. On va faire ça, je pense. Et on va refaire une piste à la harpe. Tac. Donc les violons sont là. Ouais, le master, c'est à la fin. Ah oui, c'est vrai que c'est vrai. Mais si, je vais écouter. Il y a trop de relais sur ce son-là. Sortir le gros bout. Tu vois ou pas?
On va sortir le gros trombone qui va vraiment agresser un peu. Mais on va garder le côté rêve, hein, t'inquiète. Hein. C'est juste qu'à ce passage-là, je vois que ça, quoi. Full orchestra épique. En plus, il vous prend pour des cons. Mais non, vous êtes des fous. Mais Zoudrak, il vient souvent aussi. Hein. Il est craqué, Zoudrak, en fait. Ça devient un habitué. Il soutient le Gouac. Je le vois sur tous les chats du Gouac. Là, on peut limite se repartir sur juste ça, le piano reverb à la fin, tu vois. Enfin, sur le après le break, peut-être. Bon, faut réécouter, on trouvera la suite. J'essaie de faire écouter sans thème, mais je ferai une version sans percu si tu veux. Mais là, c'était obligé de faire une percu en vrai. Je te l'enlève, ça va te manquer, hein, je suis sûr. Ils sont mal réglés, c'est tout. Alors, je peux même encore faire encore plus rêveur. Je peux faire une automation ici. On va enregistrer avant que je fasse de la merde. On va créer une automation sur le EQ. Ah ouais, il est comme ça. On va créer un deuxième EQ. On va créer une automation là-dessus. High cut. Tu vois, on va le commencer comme ça, genre. Attends. Tu vas aider ou pas? On va créer une automation comme ça. Donc créer, hop. Hop. Elle est peut-être un peu trop rapide. Fait une automation sur le master bass, c'est ce que je viens de faire. Reste tranquillou, il crée une automation. Relis le coucou. Fais voir, je crois qu'elle est trop rapide mon automation en vrai. En vrai ça va, ma passe. Oh, c'est bon. C'est ce que je voulais. Je dois arriver avec le petit café. C'est forte comme ça. Non, tu feras pas gaffe. Donc là, il manque un truc, hein, clairement. Donc là, qu'est-ce qui est fort? Mais vous l'entendez pas comme moi je l'entends. C'est trop fort, vous voulez que je vous baisse? Mais là, non, en vrai, tu fais pas attention, c'est parce que tu sais qu'il y a une automation, mais tu feras pas attention. C'est juste qu'elle est pas assez naturelle, tu vois, faudrait que je fasse comme ça, quoi. Tac. Tu vois, comme ça, quoi. Ah, mais y a pas ma mélodie. Donc faut que je mette ma mélodie après, du coup. Du coup, faut que je fasse une automation là-dessus aussi. Je rigole, je dis n'importe quoi. Je sais même pas c'est quoi une automation. Enculé, va. Bah.
Je suis parti trop tôt. Attends, est-ce que ça l'a créé du coup? Mais non, je suis en train de faire n'importe quoi, je suis en train d'enlever celle que j'ai créée sur l'autre. Dégage toi, montrez le... Voilà. Ok. Faut vraiment... Faut voir la note de base. Je sais pas si je mets de l'automation là-dessus. Ouais, plutôt comme ça alors. Je suis parti d'où? Je suis parti de là. Non, dégage. On est d'accord que je suis parti de là. Hein. Faut limite qu'on l'entend pas au début. Mais moi j'appelle ça automation. Oh, j'ai toujours appelé ça automation. Alors laisse-moi tranquille. donc, record. J'adore dans la reverb, on l'entend pas assez, hein. Mais vraiment, la note aiguë là. Ça, je vais essayer de les monter, hein. C'est mieux. Hein. Je fais un truc à la 28 jours plus tard, tu vois pas. Une voix en fond du fille qui chantonne. Bah, ma meuf, elle pourrait faire ça, ouais. Ça fait trop strange, tu vois, ça fait trop zombie. En vrai, je peux la faire la voix à l'envers, mais je vais me faire engueuler là. Ouais, ça ferait bien, mais ça ferait trop. Ah non, tu parles de la voix. Ça stresse, ouais, ouais, là c'est trop. Ouais, c'est trop. C'est trop. Ou alors, ouais, on cherche une voix qui. Enfin, une voix qui fait. J'ai des instruments qui fait voix. Hein. En vrai, mais ils sont loin à charger, quoi. C'est comme j'ai pas de. C'est pas sur mon SSD les instruments, ça va mettre 10 ans, quoi. Exhale, il y a des bons trucs, quoi. On va voir. Ouais, c'était zombie, ouais. Mais c'est 28 jours plus tard. Il s'est pas foulé, le mec, de 28 jours plus tard. Hein. Voilà.
28 jours plus tard. Oh putain, les mecs, j'ai trouvé un thème de ouf. Une suite de notes. On veut ta meuf, nous, pas les instruments. Ouais, mais elle vient que vendredi, on va pas l'attendre. Ouais, mais c'est dans l'ambiance, ouais, c'est clair, mais... C'est pas foulé quand même. Hein. Au Requiem for Dream, c'est quoi, les gens? Attends. Mais c'est pas foulé, hein. Mais c'est déjà plus compliqué. Mais tu vois, j'ai pas pris le solfège. Tu me dis des morceaux, j'essaie de le trouver au clavier. Je m'en souviens même pas comment on l'a fait, tu vois. C'est juste que je cherche les notes une par une. Ça se trouve, c'est même pas comme ça qu'on l'a fait. Parfois, enfin, il faut savoir faire simple. Vas-y, dites-moi un générique ou quelque chose, j'essaie de la trouver. Moi, j'aime bien travailler mon oreille comme ça. Alors, voyons voir Exhale. Il y a des trucs pas dégueux sur Exhale. Ouais, ultra propre ton oreille. Le thème d'Halloween. Ah, c'est plus dur déjà. Je crois que c'est un accord, du coup, ça va être plus dur. Non, c'est pas ça. En vrai, Halloween, c'est super dur parce que c'est des notes très aiguës, faudrait que je la réécoute. C'est ça, hein. Le parrain. C'est quoi le parrain déjà? Merde, c'est quoi le parrain déjà? Mais j'ai jamais vu le parrain, alors c'est pas évident. Je connais pas le parrain, je l'ai pas assez écouté en vrai. Faut vraiment un morceau quand même que j'ai écouté. Faudrait que je l'écoute 2-3 fois et je te l'ai fait en 2-2. Alors attendez, Exhale, il est où? Tac. Parce que Halloween, tu vois, je l'ai déjà entendu 50 000 fois. Le fic de Berbélis, les mecs, ils me sortent des trucs aussi. Exhale. Faut vraiment une voix, un truc qui ressemble à des voix, quoi. Ah, il va faire planter le logiciel, tellement qu'il est, il est lourd cet instrument. Ouais. Ça, ça fait vraiment un Massive Attack, ça. Ou un truc simple comme ça, hein. Faut voir où on en est, je m'en souviens même plus, ça y est, vous m'avez embrouillé. Comme ça en vrai, faut vraiment un truc qui tape quoi. Un truc marquant. Non, ma meuf elle voudra pas. Je préfère l'attendre. Non mais t'es marrant, tu me dis Milado, mais moi je connais pas le solfège mon grand. Mais là, c'est des chœurs, je veux pas des chœurs. Normalement, il y a vraiment des voix. Mais faut fouiller, il y a combien de sons? Je crois qu'il y en a 300. Pff. Là, c'est vraiment des chœurs, quoi. Non mais d'accord, mais tu crois que c'est écrit sur mon clavier MIDI? Je connais pas le solfège. D'ailleurs, vous voulez un secret? Vous connaissez la musique Dark Horse de Katy Perry?
C'est quoi déjà? C'est ça. Ok. Alors en fait, c'est. Vous connaissez. Bah, c'est les mêmes notes, c'est juste qu'elle a changé l'ordre en fait. Bon voilà, c'est un petit secret. Frère, elle a deux notes, ouais, c'est ça. Mais tu connais. Tu connais ce morceau quand même. Il est super connu. Bah, c'est pour ça que Dark Horse il a marché, parce que les gens ça leur rappelle ce morceau là. Tu vois comment ils sont. C'est ça les Illuminati en fait. La thèse des Illuminati c'est que ils refont des mélodies à l'envers, enfin ils te modèlent, comment expliquer? Ils te mélangent les notes et toi comme ça te rappelle une ancienne musique, t'aimes bien du coup. Mais c'est juste que ça te rappelle, c'est le côté nostalgique de ton cerveau en fait. Brainfuck, mais je te jure, hein, y a énormément de musique comme ça. Hein. Moi, c'est pour ça que j'écoute plus de musique commerciale. Hein. Ils font tous la même merde, les mêmes accords, les mêmes. Les gens, ils kiffent juste parce que ça leur rappelle l'ancienne version de l'ancienne version de l'ancienne version de l'ancienne version du morceau. T'as vu les deux danseurs qui dansent? Ouais, en blanc et noir, là. Genre démon et ange. Et ils tuent sa race. Genre, y a une pendule et tout, je m'en souviens. Je l'ai vu, ouais. Mais ils tuent ce son, en vrai. Enfin, le remix surtout de quand ils dansent. Ouais, c'est des monstres. Mais c'est vieux, hein. C'est un vieux truc, ça. Mais en vrai, c'est surtout trap, hein, ce truc-là. Avec ça, tu fais des trucs trap monstrueux. Ouais, musique commerciale, putain, les mecs, ils font tous les mêmes accords, les gars, je vous jure. Ils font tous... Enfin, ils font tous le même accord, bordel de merde. Et les gens, ils sont... Oh ouais, c'est trop bien. Oh ouais. Oh ouais, c'est trop bien. Tu l'as vraiment stylé, hein. Il ressemble vraiment la mode rap latino. Bah oui, mais de toute façon, quand j'ai vu les succès de Despacito, j'ai dit à ma meuf, tu vas voir, l'année là, il y aura que du reggaeton. Je pense que ça va faire trop. En vrai, cet instrument, il va pas coller au morceau. Franchement, je sais pas quoi rajouter, hein. Qu'il faut mettre des violons après là. Des sirènes, je sais pas si je. Des fins inspirées. Mais moi j'aime pas trop me faire influencer, hein. Mais je connais pas trop en vrai. Mais ça se trouve je connais. Je t'ai dit, moi il y a beaucoup de trucs que je connais mais je sais pas les.